Le mec, il a dit au revoir, c'est tout. Salut. Du coup, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un spray wall avec Titouan, Thomas et puis le grand Nadé derrière la caméra. Avec sa grosse main. Salut, bah écoute, on vise des prises sur un mur. Et je crois qu'on appelle ça un spray wall. Donc voilà, on a toute la proue. J'ai pas fait la mesure exacte, mais environ 12 mètres carrés, je pense, un truc comme ça. Tu dois avoir un peu moins de 3 mètres en bas et un peu plus de... Allez, 5, on va dire 15 mètres carrés, en gros, max. Donc c'est parti. C'est pas les plus gros sprays du monde, mais il y a moyen de bien s'amuser avec les prises qu'on a. C'est quoi spray wall? Un spray wall, c'est un mur où il y a une énorme densité de prises. Et ce qui fait qu'en fait, tu as la possibilité d'ouvrir tes propres parcours dessus, tes propres blocs, et du coup, d'imaginer le difficulté maximum comme tu veux, quoi. Voilà. Ça te va comme réponse? Ça te va ou pas comme réponse, Tommy? Tommy, bah du coup, on pose des volumes, là. C'est normal parce qu'en gros, on va mettre les plus grosses prises d'abord. Et du coup, les volumes sont parmi les plus grosses. On commence par ça. Après, on complète un peu par-ci, par-là avec différentes préhensions. Ça peut être des bacs, ça peut être des plats, ça peut être des complexes. Et normalement, à la toute fin, alors je vous montre un exemple, mais j'en ai pas trop. À la toute fin, on complète avec vraiment tout ce qui est réglette, arquet. Et en fait, on peut le passer vraiment au millimètre là où on souhaite. Volume d'abord, macro, prise classique et après, les arquets. J'ai la pire comparaison, est-ce que t'as déjà vu la vidéo où ils prennent un bol, ils mettent des cailloux dedans, puis après des petits cailloux, puis après du sable. Et genre si tu commences par le sable, genre les cailloux ils passent plus. Ah oui. C'est pour ça que je la mette, elle sera là la vidéo. C'est une vidéo qui explique que c'était important de mettre les grosses choses et puis après les petites. Ouais. Et sur un spray wall c'est pareil, ça fonctionne de la même façon. Voici la comparaison, Titouan est pas assez philosophe pour ça. Ou il s'en bat les c***** travail. Qu'est-ce que tu dis? Ouais, il s'en fout de ouf. Bah là on a fini les... Viens voir, ils font trop de bruit. Donc là du coup on a placé l'entièreté des volumes. Du bruit, c'est terrible. On a placé les volumes et là du coup on attaque un peu tout ce qui est macro, grosse prise. Donc celles qui se mettent en vis à bois, comme ça on peut vraiment les coller un peu là où on veut. Après on va attaquer tout ce qui va être les vis classiques. Parce que ça là on n'a pas le choix, il faut qu'on soit dans un insert pour la mettre. Donc on commence par quelques macros pour combler un peu les espaces. Après les grosses prises et puis derrière bah, on complétera comme j'avais dit tout à l'heure avec les micros. Et bah, rien que là on voit déjà des idées. On sait déjà ce qu'on a envie de faire sur le mur. Ouais. Un petit peu de et on est bon. Bah écoute, regarde ce qui se passe. Là, on n'est pas si mal. On a pas mal de macros, pas mal de grosses prises. Maintenant, du coup, on va combler. Donc, on va combler avec des petites prises et essayer de les bloquer un peu partout. En gros, voilà, typiquement, voilà, aller chercher un peu de l'appréhension. Là, on a le bac qui marche encore. Là, on a une réglette. Là, on a une arquée. On a les trois préhensions. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Allez, c'est parti. Bah on a fini d'ouvrir le spray là, on a mis quoi, 2 heures? Et maintenant on grimpouille hein. Avec qui? Avec Johan. Faut que je regarde où? Johan, grimpeur assez spécifique. Exceptionnel. Exceptionnel en arqué, nul à chier sur le reste. Vas-y, tu nous l'ouvres ou? Attends, vous êtes si professionnel, impressionnant. Ok, deux mains sur la bleue. Craque pas encore sur les côtes, hein. Un blanc à la chauffe. Allez, prends les prises qu'on voit encore moins à la caméra. Oui. La roule. Oui. 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 Pas de main sur la chauffe. Ok. C'est deux mains là. J'avais déjà pas retenu la première prise. Oh, le départ de... Ouais, il fait ses départs de mort. Oh, j'ai dit tellement gros. Ah, il faut que je me calme. J'ai oublié que j'ai le micro déjà. Bon, le départ il marche pas, on va démarrer comme ça. Putain, j'ai rien écouté. De quoi? Bah, le droit de relancer, t'as dit, on a pas le droit de... C'est pas le droit de relancer. Ah, mais on a pas le droit de relancer, putain. C'est vrai qu'il a dit ça. Ok, super. Super, sans relancer, ça marche bien. Sans relancer, mec, c'est lunaire, non? Bah oui, ça marche pas. C'est pour ça qu'il fallait relancer avant.
Il pourrit ses propres blocs. Bon, du coup, ta main gauche, elle sert à rien. Oui, t'as le droit de relancer, sinon après ça marche pas. Ah si, parce que t'as le droit de ramener. Oh putain, ça glisse vos prises là. Ah, c'est là, elle est mouillée. Elle est grasse. Non mais sans relance. Ramène sans contre. Il va sortir... Ah je vais m'exploser. Il va sortir du tapis. Putain. J'ai pas relancé, j'ai chanté. J'ai pas relancé, j'ai chanté la prise. Non, c'est pas la même chose. Allez, allez. Venga. Oh. Allez, allez, mec, allez. Ah, il m'a fait craquer avec son allez. Là, faut que je m'hydrate, ces conneries. Bah, tu peux faire des blocs bien en vrai. Ça rend de la dope celui-là. Putain, j'ai oublié, révise. C'est quoi la main de départ là? Ah putain. Ouais, cette équipe de camp. Ah, la bleue, putain. Allez, Johan, allez! Ça a l'air extrême, hein? Il a dit! Ouais, pardon, pardon! Sorry! Tu pourras me faire des. Oh! Bip! Bip! Waza! Non! Waza, ça passe! Oh putain, la ref! C'est quoi ça? CM1 non? CM1 t'étais pas né toi. Oh, c'est les agréables au possible. Ouais c'est vraiment. Non, en vrai le bip est pas ouf. Mais. Le bip. Ouais en fait c'est vrai qu'en s'élevant un peu plus on aurait pu. Tu vois on aurait pu la prendre en inverse. On aurait pu faire un autre bloc. C'est puis après. Partir sur la droite. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a aucun sens le vlog. Allez, tu dis de ça, chacun. Putain, non, c'est pas du tout la même technique. Ça, c'est dur, hein. Ouais, c'est très très dur de générer là-dessus. Ah, en fait, main droite, dès qu'il y a du mouvement, ça glisse. Faut la péter. Bah, faut la. Ouais, c'est pire que ça. Il y a air quitté, quoi. Oh. Putain, je ferme le biceps comme un. Oh putain, je peux bien. Allez. Ah, petite astuce. Écoute, je réessaie une dernière fois, puis après j'abandonne, hein, lâchement. Non, cette pince là, je sais pas, je glisse, vois-tu. Je pense que c'est l'heure de sortir les excuses. Elle est mouillée, hein. Naf, j'ai les grands doigts. Hein. Ah, c'est vrai. Le bras de levier, tu vois, sur les pinces, il est pas bon. Ouais, c'est vrai. On va brosser, c'est gras. Hein. Je préviens d'être monté, c'est déjà dégueulasse. Ya. Yeah. Wow. Alors, ensuite, il faut se souvenir de la suite des prises. Là, je suis daltonien. Le plat, là, au-dessus. Ouais. Je suis daltonien. Ah, merde, j'ai pas loin. Oh, le karma. Il va se prendre une zippée de talon droit, là. Ça, c'est le mouvement plusieurs du bloc, hein. Non, mais elle est dure, en fait, elle est en ouverte. Ça touche du bout de mon pouce. Mais eh, pardon, mais ça vous arrachera les gueules de parler poliment. Par contre, vraiment, ça touchait, hein. Véridique. Hein. Regarde, il y a encore une petite trace. Juste là. C'est petite dépression. Petite dépression de l'interphalangienne distale. Pardon. Je me suis emballé.
transition tube. C'est new. On finit les deux sur la super. La super. Super. Noté. C'est comment? C'est super. Ah, le départ, je pense qu'il est super dur. Oh là là, ça vole très très haut. Oh putain, je vais me la prendre dans la gueule. Allez, Jack. Putain. Putain. Non mais il n'y a pas de pied en fait, où est-ce qu'on trouve le bon? Vas-y, je me pof. Parce qu'avec la magnésie liquide, il faut anticiper en fait. C'est l'heure, rase. T'es obligé d'anticiper ton run. Donc dans une salle vide, ça s'entend. Et dans une salle pleine. Il faudra un pied là. Là. Genre juste ici, ce serait parfait. Genre quand t'es là, c'est parfait, tu vois, la triangulation, tout ça. Mais là, là, c'est un peu plus relou. Allez, ma mère. Maman, monseigneur. Hop, pas morpho du tout, ça. Oh non, j'ai failli mettre un but, je suis dégoûté. Ah, t'as failli. J'ai tellement cru que, voilà, que c'est un loupé. C'est quoi ce genre de plan? Oh l'enfer! J'adore l'eau. C'est un trop beau. Putain, j'ai fait quoi de ma main? Oh, j'ai failli partir. Avec les temps, il est dur à tenir. Ouais, ouais. En fait, tu te sens arrivé quand, ouais, tu ramènes. Quand tu ramènes, il a quand envie tu de ramènes, partir. En fait, t'as envie de se barrer et si, si t'es pas parfaitement concentré. Oh, v'là le meilleur. V'là le meilleur. Moi, j'ai la même chose. Aïe. Tu prends de la dopamine? C'est beau comme armule. Hop. C'était pas dur, c'était un scandale. De louper ça, lamentable. Ah mais gros. Oh, il sort les pouces. Oh putain, il bouge celle-là, les frérots. Hein. Ah, elle est bien arquée là. Bon voilà, premier bloc flash. En arqué, comme d'hab. Voilà. Il y a ceux qui font de l'escalade, il y a ceux qui font du bloc, et il y a ceux qui font des blocs en arqué. De moins de 6 moves. Mais c'est ça. Ah bah là, je suis complètement. Je suis daubé. Fin de séance. On est bon. Bon, Tommy, tu ouvres un beau bloc. C'est super. Il était magnifique, mon bloc. En vrai, il est bien celui-là sur règle. Moi, j'ai apprécié, forcément. Allez, mec, allez, oh. Dément. Allez, j'ai dit ça. Allez, dit ça, chacal. C'est lui, c'est l'auteur. Allez, mec. Putain. Comment? Yo. Ah, j'étais trop à gauche. T'aurais peut-être dû remettre un pied ouais. Droite. Non, je pense que ça marche. Oh. Ah. Allez, gars. Trop bonne. Regarde, c'est morpho, il est mis en dessous. Ouais, bah, tiens. Regarde-le comme c'est morpho. Regarde comme ça glisse. Il n'y a pas de pain dans l'IVG. Je vais passer un peu de ma part. Oh, le
Oh. Putain, ça a failli. La bleue, bien joué, garçon. Oh, la bleue, il a failli me tirer. Magnifique. Solide, le garçon, là. Oui. Bon, ça y est, fin de séance. Hein. On a grimpé pendant 2 heures, ouvert pendant 4h30, 5 heures. C'est assez morpho, faut avoir un petit bras de levier, je pense, pour bouger dans le spray. C'est ça. Si vous avez des grands bras, des grands doigts, très technique, le spray, il prend une cote directe. Petit, tout est facile en vrai. Bah ouais, j'ai l'impression. Pour les nains, tout est bien. Arrêtez, je vais vous envoyer. Ah non. T'as entendu ce que j'ai dit juste avant? Pour les nains, tout est bien. Je mettrai une photo de Tommy comme ça là. Non, c'était bien stylé, on s'est bien amusé. Après, on n'a pas essayé encore beaucoup de combinaisons, on a essayé. Je pense qu'on a grimpé sur un quart des prises. Et puis voilà, la prochaine. Au revoir, monsieur. Au revoir.